on va vous présenter ce match. En compagnie de Benoît Foyle-Defret à la technique, je vais essayer le mieux possible de retransmettre cette rencontre qui risque de connaître quelques aléas techniques avec des coupures peut-être sur le réseau. Voilà. Alors, pour commencer, on va vous présenter un petit peu le programme de la soirée. Cette présentation, bien sûr, toujours en association avec Radio Vallée-Bergerac, puisqu'ils nous suivent depuis maintenant deux matchs. Nous sommes très heureux de pouvoir toucher les auditeurs de la radio et également l'ensemble des téléspectateurs et passionnés de football à Bergerac et plus largement les passionnés qui suivent cette équipe de Bergerac, qui sera ce soir, contrairement à ce qui était prévu, ici à l'extérieur, alors qu'elle devait jouer à Bergerac. Mais compte tenu de l'état du terrain lié à la rencontre de Coupe de France contre Clermont, eh bien, les coachs, les différents partenaires et nos adversaires du soir ont accepté de nous recevoir ici. Alors, Chamalière, dans le 63, je le disais, le Puy de Dôme, puisque le Puy de Dôme, je le touche du bout du doigt ici, il est tout prêt. On est vraiment dans un stade magnifique, posé dans les monts Auvergnats, dans la pente, avec beaucoup de un carré très boisé, arboré autour, verdoyant, aux couleurs de l'automne. La température est fraîche ce soir, un petit peu plus fraîche qu'à Clermont, un peu plus bas, puisque nous avons la hauteur. Il y a également eu l'humidité de la journée, avec la fraîcheur de la soirée. Effectivement, on rentre certainement dans les soirées d'hiver. Chamalière, bien sûr, vient de monter en National 2. C'est une ville qui est proche et qui touche Clermont-Ferrand, je vous le disais. Son équipe de foot, où le présenté a été inversé, et donc ce sont les Bergeracois qui sont venus en Auvergne. Suite au match de Coupe de France de la semaine dernière, il y a certaines, évidemment, coïncidences, puisque... Ce déplacement ici en Auvergne répond à l'ensemble des questions qu'on s'était posées pour pouvoir jouer sur le terrain de Camp Réal qui est très dégradé et qui n'a pas pu ou qui n'aurait pas pu recevoir cette rencontre dans de bonnes conditions. Voilà. Ici, effectivement, il va y avoir une remise en question indispensable pour les joueurs de l'équipe de Bergerac, de ce groupe, puisque... le coach David Devigne va vous présenter une équipe très largement revue et donc ces changements certainement liés également à la volonté de maintenir l'ensemble des joueurs concernés, c'est un invariant pour le coach bergeracois. Dès qu'il le peut, dès que les joueurs également le démontrent sur le terrain, il effectue des changements. Ça va être le cas ce soir. Certainement aussi parce que le match de Clermont a dû laisser des traces et durant la semaine, à la fois la fatigue, la récupération, et bien pour l'ensemble des joueurs, je dirais même psychologique. Cette remise en question, bien sûr, va être plutôt totale et globale dans un contexte pas simple à gérer. Nous le verrons ultérieurement avec la présentation de l'équipe de Chamalières. C'est vrai que pour les Bergeracois, cette qualification dans l'euphorie la semaine dernière contre la Ligue 2, retrouvée dans ce championnat et dans de bonnes conditions et notamment dans les paramètres qui sont indispensables, les paramètres d'engagement, puisque je crois qu'il risque d'y en avoir ce soir. Voilà. Du côté de l'équipe de Chamalières, les Chamaliérois, comme on les appelle ici, les rouges et blancs, les supporters également me l'ont dit, du côté de Chamalières, nous allons aussi avoir quelques incertitudes et suspendues puisque deux joueurs normalement titulaires ne seront pas sur la feuille de match ce soir. Mais le contexte pour cette équipe de Chamalières est je dirais un petit peu plus complexe en termes de sportifs et notamment arithmétique puisque l'équipe se situe aujourd'hui dans la zone rouge de ce championnat de cette poule C avec 9 points. Voilà, et donc se doit de réaliser une rencontre plutôt pour récupérer le maximum de points pour se sortir de cette zone. Certes, devant l'équipe de Chamalières, il n'y a pas, il y a
Il n'y a pas beaucoup de points de différence avec Saint-Privé, Andrézieux, voire Trélissac et Angoulême. On est à 3-4 points. Mais il est vrai qu'à domicile, cette équipe de Chamalières doit essayer de récupérer des points. C'est pour cela que ce match va être essentiel pour eux et aussi pour les Bergeois, quoi, parce qu'ils risquent d'être très relevés dans l'engagement notamment. Alors, pour le match, le contexte de cette soirée, on a le classement après la 11e journée de championnat qui a eu il y a 15 jours. Certaines équipes ont du match en retard, mais globalement, on peut présenter les choses suivantes. C'est 7 qui a toujours la tête avec 25 points, 5 points d'avance sur Bergerac qui est second avec 20 points. Les poursuivants, Colomiers avec 19 points, Blois avec 19 points, Montpellier avec un match en moins, 18 points, les Herbiers également avec un match en moins, 17 points, Nantes B, 17 points, Romorantin avec un match en moins, 15 points, Bourges, un match en moins également, 13 points, Angoulême, 2 points, 13 points pour cette équipe d'Angoulême, Trélissac, dont nous reparlerons tout à l'heure, avec 10 matchs, un match en moins, 12 points. Andrézieux arrive à la 12e place avec 11 matchs joués, donc mais 10 points. Andrézieux en difficulté dans ce début de championnat. Saint-Privé-Saint-Hilaire, je vous le dis, 7 buts. Puis Payet à Romorantin, position, du moins les feuilles de match, puisque nous sommes encore à quelques minutes du début du match. Alors, du côté de Chamalières, on retrouvera dans les buts un jeune homme, Ciotti, qui a 21 ans, qui portera le numéro 1. En numéro 2, on trouvera Trosipa, un joueur du Kosovo, arrivé ici. Numéro 3, Géry, un jeune homme. Numéro 4, Bartomeuf, qui lui était l'expérimenté de l'équipe. Numéro 5, Bouvier, deuxième gardien, Fourneuve, de Lescure et Trécy. Voilà, du côté de Bergerac, on retrouvera dans le but avec le numéro 1, Anthony Loustalo. Puis, numéro 5, Sam Ducrot. Numéro 6, Quentin Chasta. Numéro 8, Clément Badin. Numéro 9, Abdel Abissa. Numéro 10, Sofiane Valla. Numéro 15, John Ringaïen. Numéro 18 et capitaine, Damien Fachan. Numéro 19, c'est Sedi Yakumba. Numéro 22, Cher Touré. Numéro 26, Calvin Mangan. Numéro 14, Samir Bakir. Numéro 17, Pierre Lucien. Numéro 20, Léo Fichten. Numéro 21, Alex Even. Et numéro 30, deuxième gardien, Mathis Malandre. Pour les techniciens du côté de Chamalières, on retrouvera sur le banc de touche le coach Marc-André Yarnaud. Puis du côté bergeracois, bien sûr, David Vigne, accompagné de Julien Gauduchot, Jacques Léglibe aux techniques, José Palma et Jérôme Perrineau accompagnent le groupe d'un point de vue administratif, logistique. Voilà. La journée maintenant qui va se dérouler ce soir, le 23, les Nantais reçoivent les Sétois. Alors effectivement, il y aurait un bon coup à faire du côté de Nantes. Ça permettrait peut-être, j'espère, de donner de l'espoir aux Bergeracois et aux autres qui suivent derrière. Saint-Privé-Saint-Hilaire reçoit Romorantin. Bourges reçoit Colomiers. Saint-Étienne, Andrézieux. Blois, Trélissac. Angoulême, Montpellier. Stade Bordelais, Les Herbiers. Et bien évidemment, Chamalières-Bergerac. Notons que le match de Nantes 7, Serge Piala, se déplaceront à Niort en Coupe de France à 14h30 pour affronter l'équipe de Niort féminine. Voilà, ben nous attendons maintenant les acteurs avec des jeunes enfants qui tiennent l'ensemble des drapeaux de la Nationale 2, de la Fédé, mais du club de Chamalières. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous dire de quel côté les équipes, bien sûr, vont évoluer. On a simplement un petit peu d'attente, les voilà, je crois, puisque le banc de touche de Chamalières se rend sur son banc. Chamalières est donc une équipe qui monte, et avec énormément de joueurs issus de la région.
J'ai pu, lorsque je préparais la rencontre, le constater puisqu'ils sont pas moins d'une 13 à 14 joueurs dans ce groupe de Chamalières issus, accompagnés ou encadrés par des joueurs plus expérimentés. Je pense à Bartoumeuf, ou je pense au gardien Fourneuf qui est remplaçant ce soir. Je pense à Carmo, Laye, qui eux aussi, ainsi que Fernandez et Coudert, qui étaient à Aurillac de 2016 à 2019. Voilà des joueurs qui sont venus donner, prêter main forte à cette équipe de Chamalières dans sa volonté de se maintenir. Voilà, les joueurs sont donc sur la pelouse à compagnie des arbitres qu'il faudra nommer. Monsieur l'arbitre du centre, en blanc, maillot blanc, épaulière bleue, short et chaussettes bleues à l'extérieur. Et les joueurs chamaliérois en rouge et blanc, mais tout rouge pour l'occasion, tout rouge à votre gauche. On passe à... place pour pouvoir distinguer le système pour l'animation. Eh bien, ça va démarrer. Bergerac à l'engagement. Au ballon, on retrouve Sofiane Valla en compagnie de Clément Badin avec son numéro 8. On aperçoit assez mal les numéros. Allez. Ici, au complexe sportif, Claude Wolf, c'est parti. Balle en retrait pour les Bergeracois, le même Fachan qui vient rechercher Yacouba Seydi, et on peut conserver le ballon du côté de Bergerac. Les joueurs de Chamalières ont l'air d'être disposés avec une défense à 4. Oui, c'est bien ça. Devant leur gardien de but, 4 joueurs. Il y avait même... je vais même dire 5, puisque le numéro 6 ici, qui était excentré, vient se mettre dans la défense. Passage sur le côté droit là-bas. Un centre peut-être en retrait pour Cher Touré qui a raté après que le ballon ait fusé sur la pelouse. A raté la reprise de volée. C'est un duel maintenant que Sam Ducrot met en touche. Ballon pour les joueurs de Chamalières en rouge dans leur camp. Ils vont subir un petit peu la pression bergeracoise. Comment ils vont s'en sortir? Allez. Il n'y a pas de ramasseur de ballon, je crois, ce soir. Oui, non. Eh bien, non. Le joueur a mis un peu de temps à aller le chercher. Ballon le long. C'est Clément Badin qui dégage de la tête. À nouveau pour Chamalières. C'est un duel de 3 duels aériens. Yacouba Seydi laisse filer le ballon jusqu'au gardien de but, Antonio Stallo. Il a pris une semelle, me semble-t-il, par le numéro 7, par Colo. Yacouba Seydi. Les joueurs de Chamalières viennent mettre un bloc plutôt médian et laissent un seul joueur sur la défense bergeracoise. On voit sur vos écrans qu'effectivement c'est une défense à 5 et avec un milieu de terrain à 3 ou 4. Bergerac dans son habitude est en conservation, en tentative. On voit bien qu'avec le terrain synthétique, il y a un temps d'adaptation puisque les rebonds sont fusants. Les trajectoires également vont un peu plus vite et les joueurs doivent être vraiment sur les trajectoires pour pouvoir être dans de bonnes dispositions. Engagement, touche pour les Bergeracois. C'est toujours récupéré après un deuxième temps. Ballon dans la profondeur, le ballon va vite. Mais on retrouve également Cher Touré qui a été vite, qui a fait une faute de conduite puisqu'il a poussé un peu trop son ballon, mais il a obtenu un corner. C'est donc Clément Badin qui va s'emparer de ce chicot pour aller le frapper là-bas. Allez, sur le côté droit, en regardant dans le but des Chamalières, c'est une bonne opportunité. Chamalières est assez dense physiquement. Ils viennent défendre. 2 joueurs sur le premier poteau, puis les Bergeracois vont exploser. Non, le numéro 5 et capitaine a pu dégager de la tête. C'est toujours les Bergeracois qui possèdent le ballon. Ici, on retrouve une faute de la part de Calvin Mangan. Hors-jeu, monsieur l'arbitre, c'est sûr, du numéro 10 et attaquant axial Carmo. Hors-jeu, Anthony Lustalo. Alors, on voit bien que sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai qu'il faut arriver en mouvement. L'équipe de Chamalières est très athlétique, se positionne avec 2 joueurs qui couvrent les points poteaux, les autres au marquage. Et donc, il faut arriver en mouvement pour essayer de couper les trajectoires. On voit que les courses ici des attaquants et même des milieux dans la profondeur permettent de jouer dans le dos de la défense. Ça doit être une stratégie. Peut-être que cette défense est peut-être un petit peu lente.
Et avec la vitesse procurée par le terrain, eh bien, ça permet peut-être aux attaquants bergeracois de se projeter dans la verticalité. Touche là-bas, du côté gauche, pour les Chamel et Roy. À nouveau dégagé de la tête et sorti, toujours pour les rouges et blancs de Chamalières. Alors, voyons un petit peu ça va donner. C'est vrai que le rythme ne s'est pas intensifié. Touche quand même conservée. Non, perdu. Le ballon reste au bergeracois qui vont vite se sortir de la zone là-bas de duel. Avec Yacouba Seydi qui revient à droite avec Calvin Mangan. Calvin Mangan qui a l'air de... Oui, on cherche de suite la profondeur dans le dos de la défense du côté bergeracois. C'est raté pour ce coup-ci encore puisque les défenseurs sont attentifs du côté de Chamalières et ne se laissent pas prendre, et notamment par ses trajectoires. Pied levé. Pied levé de Quentin Chassastan qui a faute, ouais, qui a fait une faute. Bon, c'est rien de grave puisque le joueur va se relever. Quentin peut repartir dans sa zone défensive. Les bergeracois bien en bloc, se resserrent. On voit bien là sur les écrans, hein, il n'y a que 25 mètres entre les défenseurs et le dernier attaquant du côté bergeracois. Les ballons longs, on vient jouer un premier duel aérien, mais c'est Calvin Mangan qui le gagne. Le deuxième ballon aussi est gagné par les bergeracois. On dégage, on ne prend pas le risque de jouer. C'est effectivement un jeu plutôt direct qui est en train de s'installer avec beaucoup de temps mort lié aux touches, puisque les joueurs ne multiplient pas de passes. Là-bas, Jonathan Gaillen, il se passe quelque chose. Ouais, alors, il semble que l'arbitre appelle Jérôme Perrino, S-docteur chirurgien, qui se rapproche du joueur bergeracois qui se plaît, à mon avis, au visage. Voyons un petit peu. Ça ne saigne pas d'ici. Alors, ses parents qui sont dans la tribune sont rassurés. Allez, c'est pas grave, Quentin va retrouver sa place. Le ballon est pour les bergeracois avec Jonathan Rengaillen. Information. Ah. Quentin sort, ça c'est une obligation liée au règlement. Il le fait soigner par Jérôme Perrino là-bas, à l'opposé de nous. Le jeu a pu reprendre avec un premier duel aérien. Les rouges et blancs ont le ballon sur le côté gauche. Et ça va faire 6 mètres, un duel entre deux joueurs. Mais je crois là aussi qu'il y a eu... Oh, mais là, on démarre très bien le match. Anthony Lostalo prend le ballon. Au fond là-bas, c'est... J'ai du mal à le reconnaître, mais je crois que c'est Clément Badin qui lui aussi se plaint du bras. Bon, il est revenu sur la pelouse. Ça n'a pas l'air bien grave. Allez, il faudrait que le match se lance un petit peu. Si toutes les secondes, il est stoppé. Anthony Lustalo pour Calvin Mangan. Mangan, Jonathan Regaillen, intérieur Damien Fachan. Sur le côté excentré droit à la course, c'est Cher Touré. Mais le défenseur de Chamalières vient jouer avec son gardien qui est pressé, qui dégage un petit peu à la va-vite, sans maîtriser son dégagement du pied gauche. Mais les joueurs l'ont quand même conservé, qui est maintenant ballon perdu. C'est Bergerac avec Anthony Oustalo depuis sa moitié de camp qui essaie justement de remonter le ballon. Allez, on voit des appels dans la profondeur d'Abdel Abissa. Faute de Colo, le numéro 7 de Chamalières sur Yacouba Seydi. Allez, Yacouba Seydi qui peut mettre le ballon. On ne peut pas dire que ce soit un démarrage de match avec beaucoup d'intensité. Sofiane Valala pour Jonathan Regaillen qui va obtenir une touche. Alors comme il n'y a pas de ramasseur de balles, je ne vous dis pas, le temps que le joueur aille chercher le ballon, revienne à l'endroit de la touche, eh bien, on ne va pas avoir les pulsations qui vont dépasser les 80 ce soir. Je sens que... Allez, c'est parti. Dans les 30 derniers mètres, Bergerac par Damien Fachin qui a dressé un centre. Duel ici. L'arbitre l'a joué parce qu'il y a un avantage pour Carmo.
qui garde le ballon avec son numéro 10, puis ne perd pas le ballon. Il vient jouer ici, mais un joueur de Chamalières qui a subi un peu le duel avec Damien Fachan se relève difficilement. Espérons que lui aussi n'ait pas de gros problèmes. Non, je crois que c'est un duel un peu dur, mais c'est rien. C'est parti. Loustalo, Mangan. Les défenseurs centraux se passent la balle entre Mangan et Yacouba Seydi. Alors là, on est à 30 mètres de notre but pour les Bergeois à quoi. On vient chercher intérieur, toujours en sautant la ligne de milieu. Puis ensuite, à une touche de balle, en venant percuter oui, cette défense sur le côté. C'est Chamalières qui se dégage. Allez, il faut être un peu plus près que ça en défense pour les Bergeois à quoi, pour récupérer le ballon assez haut. Touche concédée par Quentin Chastan. Le numéro 3. Géry, 22 ans, qui va lui faire la remise en jeu. Allez, sur la ligne médiane, c'est parti. Il va rechercher dans les pieds, non, sur la tête. C'est Bergerac qui, ici avec Badin, qui peut jouer directement. Ça, c'est le plan de jeu parce que Cher Touré, avec sa vitesse, permet d'aller vite sur le but adverse. Là, il est en train de travailler son défenseur de pied gauche. Pied gauche, il vient chercher à nouveau à l'intérieur du terrain. Ici, c'est Quentin Chastan qui, lui aussi, avec son intérieur du pied, a frappé au-dessus du but. Il avait peut-être le temps de contrôler ce ballon, Quentin, et de mettre ici une belle frappe. Mettre une saccharine à 25 mètres sur un terrain synthétique qui fuse comme ça, ça pourrait être dangereux pour le gardien adverse. Dégagement du jeune Chiotti. Chiotti qui trouve la tête d'un Bergeracois, mais récupéré dans un deuxième temps par un rouge qui le conserve encore. J'ai pas vu qui c'était, les Bergeracois ici. L'arbitre a sifflé une faute sur le joueur de Chamalières. David Vigneur replace un petit peu ses joueurs, donne quelques consignes peut-être pour améliorer sur le plan de jeu de départ. Il me semble quand même que le jeu dans la profondeur directe était une, à mon avis, le projet numéro un pour les Bergeracois. Chamalières adresse dans la diagonale ici pour le numéro 6 qui, sur le côté droit, non, il n'obtiendra rien du tout, ni faute. Si monsieur l'arbitre estime que Bono a fait une faute sur Sam Ducrot. C'est donc un ballon rendu au Bergeracois avec Yacouba Seydi. Yacouba Seydi qui va laisser Anthony Loustalo. Allez, Anthony Loustalo qui dégage fort devant dans le rond central. Non, il a voulu adresser le ballon à Jonathan Agayen qui va le récupérer sur un deuxième temps. Ah, et là, c'est un peu difficile de mettre le ballon au sol. Alors, on cherche bien sûr un jeu plus direct, peut-être pour profiter, je vous l'ai dit, de la vitesse du terrain. Mais il faut être très adroit puisqu'il ne faut pas que les ballons soient dressés approximativement. Si on veut le conserver, effectivement, il faut que ce soit très précis, très net, et notamment dans les trajectoires et les déplacements sur un terrain comme ça, c'est indispensable. Ballon perdu pour les Bergeois, par les Bergeois à quoi, mais récupéré sur un duel par Clément Badin qui, lui, a voulu de suite percuter. Il n'y a même pas hors-jeu, si. Hors-jeu, l'arbitre de touche vient de lever son drapeau. Alors, est-ce que c'était Sofiane Valla ou Abdel Abissa? La situation était intéressante puisque Sofiane, avec un jeu à une touche de la tête, pourrait trouver dans la profondeur Abdel Abissa qui rentrait dans les 18 mètres. Mais monsieur l'arbitre de touche a levé son drapeau. Dégagement du gardien, Ciotti, qui lui va jouer long. Gelon, ici sur Colo, le numéro 7. Quentin Chassan dégage à une touche. Les Bergeois à quoi, avec Cher Touré, vont être au duel. Mais le capitaine Bouvier vient mettre ce ballon en touche. Sam Ducrot doit aller le récupérer. J'espère que quand il va passer dans la forêt, il ne faudra pas aller le chercher. Hein. Parce que là, on n'est pas prêt d'avoir le ballon. Alors, ici, pour les Blancs, Yacouba Seydi retrouve très loin dans son camp Anthony Loustalo à l'entrée de sa surface de réparation. Yacouba Seydi à nouveau, un redoublement de passes entre deux. À nouveau, Yacouba qui
n'avance pas. Décide, oui, on essaie de faire sortir cette équipe. Yacouba ne veut pas non plus se jeter dans la gueule du loup en s'avançant de trop en conduite pour être pris. Voilà, les joueurs de Chamalières viennent mettre la pression sur les joueurs bergerois dès que cela rentre dans le cœur du jeu. Clément Badet entre les lignes, intéressant son déplacement. Est-ce qu'on va réussir à le trouver? Il y a quand même de l'espace entre les lignes, bien sûr, là voilà. Ah, c'était prévisible, mais Clément n'a pas pu adresser un bon ballon. La situation est intéressante là aussi, puisqu'il existe un espace entre la ligne défensive de Chamalières et son milieu terrain. Et Clément Badet avait très intelligemment compris de se situer dans cet espace-là, pardon, pour pouvoir jouer. Alors après une touche, comme je vous l'ai dit, sur un terrain synthétique, il faut absolument que ce soit extrêmement précis entre le passeur et le receveur. Eh bien voilà, une tête du capitaine Damien Fachan qui est sorti de son axe. On trouve ici sur le côté, mais il ne va jamais l'avoir, ce ballon, qui dès qu'il touche, prend de la vitesse. Ballon en touche pour le numéro 6, Rouge Bonneau. Alors on voit bien que les joueurs de Chamalières ne prennent pas trop de risques. On voit dans la défense ici, même l'excentré là-bas à gauche ne va pas prendre l'espace. Ce Carmo Colo, le numéro 11 ici également, qui est Couder, qui lui intègre le milieu du terrain. Le numéro 8. Rance, le numéro 11, je l'ai dit, le numéro 3 là-bas qui est excentré, Géry à gauche, lui aussi ne sort pas trop, donc on a une configuration plutôt défensive, peut-être prudente pour l'instant de la part des Rouges, des joueurs de Chamalières. Au fur et à mesure du match, les choses peut-être évolueront, leur coach adressera d'autres consignes, mais pour l'instant on vient jouer des duels. Le premier ici, il a gagné, car il a gagné. C'est le numéro 6, si je vois bien, non, le 8, Rance qui devait avoir le ballon. Puis on cherche le numéro 4, Bartomeuf, qui a un nouveau duel. Ah, on va avoir un jeu plus direct et fait de duel ce soir, c'est évident. C'est évident, on voit bien ici encore. Combien il est, dès qu'on a contrôlé, il y a un duel à jouer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On voit même Yacouba Sely qui poursuit sa défense sur le qui se débarrasse bien de Yacouba et qui adresse un ballon pour le Colo ici. Deuxième ballon joué pour Chamalières, mais c'est Jonathan avec le milieu. On voit bien que systématiquement, quand Damien Fachan peut venir à l'intérieur du terrain pour faire une proposition de passe, il le fait. Alors là, les Bergerois quoi sont un peu étirés. Il va ce ballon avec beaucoup d'application. On voit bien qu'il ne faut pas se tromper de 50 cm, sinon le ballon est perdu. On recherche à nouveau Damien Fachan qui va lui pouvoir mettre sur le côté gauche à Sam Ducrot avec son pied droit. Cher Touré, il ne faut pas le perdre, cher. Faut pas le perdre. Faute. Faute. Ah oui, alors il y a un deuxième point sur les synthétiques. Ah oui, on vient de m'adresser une information de premier ordre puisque je le cherchais depuis le début, mais je ne le trouvais point. Il y a le panneau d'affichage tout en face de moi, mais pas bien éclairé, qui est à 17 minutes de jeu, toujours 0-0. Alors maintenant, je serai où il est et je pourrai vous donner assez fréquemment le score et le déroulé du temps. Ah, c'était bien tiré avec son pied droit, Clément Badin, une trajectoire pour Damien Fachan avec Caramo, a réussi obligé de pousser ce ballon en corner. Un corner qui va être tiré par Clément Badin. Clément Badin qui atteint un ballon. Allez, 19 minutes, un peu plus, toujours 0-0, corner pour les Bergeracois. Sur vos écrans, vous voyez un peu le type défensif, c'est vrai qu'il est dense, on n'est pas trop habitué à ça. Un joueur au poteau, deux autres, ouf, Damien Fachan qui, au 5m50, s'est élevé au-dessus de la masse et qui a mis son ballon au-dessus du but, n'a pas pu le convertir. Il se replace, c'est dommage, c'était une opportunité. Peut-être que ça va être une des stratégies de pouvoir profiter et des coups de pied arrêtés et notamment des corners sur le but adverse. Allez, pour faire la fausse piste et laisser à Clément le choix de frapper au but était très intéressant et ils ne se sont pas compris. Je pense que les deux
on pensait effectivement que le copain travaillait pour lui. C'est dommage, c'est une très belle opportunité. On peut y revenir quelques instants avec, bien sûr, comme je le disais, un espace assez important de 15-20 mètres laissé par les joueurs de Chamalières où ils viennent à plat pour interdire la relance de l'équipe de Bergerac et notamment la première et la deuxième relance. Mais par contre, c'est Clément Badin ou Abdel Abissa qui décroche entre les lignes et qui peut, à une touche de balle, faire rebondir le jeu sur un côté. Et là, nous avons eu un excellent exemple avec le centre qui aurait pu se terminer par une frappe sur le but. Il y a une faute de Bartomeuf. Bartomeuf sur Clément Badin à la ligne médiane. Monsieur l'arbitre s'avance, va certainement faire une remontrance. Allez, quand on a des statistiques plutôt défavorables à domicile, il est peut-être plus prudent d'attendre et de être le cas ce soir ici pour la stratégie de jeu de cette équipe de Chamalières. Alors vous avez pu voir quelques instants, un ballon toujours pour les Bergeracois. Là, la remise en jeu par Jonathan Régaillen pour le capitaine qui vient transférer à gauche à Sam Ducrot qui est obligé. Mais je crois que David Vigne est un petit peu énervé puisqu'il demande à Abdel Abissa de venir plonger dans le dieu de Sofiane Valla. Là, voilà un bon ballon, mais il y a hors-jeu. Alors là, je suis étonné qu'il y ait hors-jeu avec un petit peu plus de pression de Chamalières puisque on voit Bono qui s'apprête à avancer. On voit également le numéro 11, Couder, qui mettait un peu de pression. Les Bergerac ne prennent pas de risque. Font courir le ballon sur la largeur, reviennent un peu. Voilà, on vient à l'intérieur avec le capitaine. Le ballon dans la profondeur, mal adressé par Calvin Mangan qui s'est trompé de quelques mètres. Mais à ce niveau-là, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit parfait. Colossé qui va récupérer le ballon sur le côté droit pour Chamalières. Ouais, ce jeune Colo qui a 21 ans aussi, qui a disputé un match et qui a marqué deux buts cette saison sur les 11 matchs qu'il a joués. Alors, coup de pied arrêté pour les rouges de Chamalières. Alors là, on fait monter les plus grands, pas tous les plus grands, puisqu'effectivement, ils gardent quand même un équilibre défensif. On voit même Couder qui vient à 30 mètres du but. Donc, Chamalières joue. Wow ! C'est dommage. Alors, c'était très intéressant le dispositif. Il y en a qui proposent qui explose sur le but. Il y en a d'autres qui proposent deux blocs de deux ou trois joueurs qui vont utiliser des zones libres. Et là, Chamalières a occupé de manière homogène la surface de réparation bergeracoise et des joueurs viennent lancer pour couper la trajectoire. C'est original. On le revoit ici. Un joueur entre le gardien et un défenseur. Puis ensuite, les autres qui viennent plonger avec de la vitesse sur le but. On retrouve Carmo, Colo, mais également un défenseur. Allez, Bergerac a la possibilité de jouer vite vers l'avant. Et là, voilà, c'est Sofiane Valla qui va se projeter avec à sa poursuite le numéro 2, qui est Trouchoupa, qui gagne le... Non, qui le repère. Sofiane gagne ce ballon. Va jouer, oui, il va gagner au joueur du Kosovo, Trouchoupa, 27 ans expérimenté, oui, parmi tous ces jeunes dans cette équipe. Sofiane Valla qui gagne le duel et qui se fait un petit peu tirer les oreilles parce qu'il avait gagné dans un premier temps et il a reperdu le ballon en suivant, qui a permis à Sofiane Valla de gagner ce coup franc. Allez, Bergerac, Clément Badet ici, le tout proche de la ligne de sortie de but, petit mur. Intéressant. Alors pour les Bergeracois, la différence des Chamalérois, c'est une grappe de 5-6 joueurs qui va se lancer dans des zones préétablies, fixées sur tableau blanc, pour essayer de couper la trajectoire. Voyons un petit peu, il va y avoir des fausses pistes, ça part, mais l'arbitre, bien sûr, comme souvent, vient rappeler combien il est important en football de jamais s'accrocher le maillot ou de ne pas se faire barrage avec son corps. Chose qui ne se fait jamais, puisque dans le football, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de duels corporels. Voilà, sans arrêt, il y a des duels. Allez, c'est parti. Ah, c'est là la stratégie bergeracoise avec des joueurs qui plongent sur le but. Un ballon en soutien, en retrait pour Cher Touré, qui n'a pas pu frapper, qui n'a même pas touché, puisqu'il a raté complètement sa frappe. Bergerac, possession
du ballon. On se remet en place, on remet le cadre de jeu. C'est donc maintenant Tony Loustalot qui se retrouve libéraux de cette équipe avec Yacouba Seydi qui cherche ici Sam Ducrot. Mais Colo lui vient mettre le pressing à petite fausse queue, comme on l'appelle. On appelle ça une fausse queue. Et donc Anthony Loustalot jette le ballon, mais le ballon est parti dans la forêt. Et il va falloir à nouveau corner. Corner après une faute technique, Yacouba Seydi qui s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Attention, oui, sur les corners, on a vu, ça fait plusieurs fois, dès que l'on parvient à Sam Ducrot, eh bien, il y a un pressing qui est déclenché, et s'il y a récupération, c'est dangereux. 28e minute de jeu ici, au complexe sportif Claude Wolf à Chamalières, toujours 0-0, mais corner pour les Rouges, qui... Eh bien, qui eux la change également, avec un joueur très loin là-bas, au loin de la surface, au deux, troisième poteau. Et je remarque, c'est souvent lui qu'on cherche. On vient le chercher, le numéro 3, Géry, qui récupère et qui adresse un ballon au sol. Mais c'est Clément, Anthony Loustalot qui s'en saisit dans les airs et dégage immédiatement pour Sofiane Valla, qui a gagné son premier ballon, mais le deuxième perdu. À nouveau Sofiane qui le gagne pour Cher Touré en appui. Soutien pour Clément Badin qui jette le ballon sur le côté, mais c'est difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Sur un terrain synthétique, c'est très difficile de pouvoir adresser des ballons. Il faut toujours que ces ballons-là soient bien dosés. Voilà. Sinon, on a ce que vous observez à la 30e minute de jeu. Toujours 0-0 ici à Chamalières. Sam Ducrot joue un duel et le joueur de Chamalières met le ballon en touche. Le jeu est à nouveau arrêté. On ne peut pas dire que, bien évidemment, il y ait beaucoup d'intensité. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de temps de jeu. Le ballon sort souvent et les équipes prennent soin, bien sûr, de ne pas faire d'erreur. C'est les Bergeracois qui, Sofiane Valla ici, un ballon va adresser celui-ci à droite. Jonathan Raguin qui centre au premier poteau pour Abdel Abiss, un nouveau duel. Ah oui, il y a un coup à faire là, il y a un coup à... Dommage, Clément Badin qui frappe au but, légèrement à droite du but au sol. Le gardien l'avait vu, il n'y a pas eu danger particulier pour ce gardien de but. Chotti qui va pouvoir à nouveau dégager son camp. Le bloc rouge remonte le terrain. Tout le monde se tient prêt autour de la ligne médiane. Allez, un premier duel. C'est Clément Badin qui va être dessous et qui le récupère. Trois ballons joués de la tête. Et on a Sam Ducrot qui adresse un ballon à son gardien, qui prend des risques à relancer avec un extérieur. Et Sam Ducrot, lui, mettre le ballon en touche. Il se fait un petit peu chambrer par le public ici, qui lui reproche sa délicatesse technique avec son pied gauche. C'est pas grave, Sam, le principal, c'est de ne pas prendre de but dans cette situation. Allez, on a du mal à ressortir pour les Bergeracois. Sofiane Valla, premier duel, deuxième duel. Ça va être un ballon rendu au rouge de Chamalières. Le numéro 6, Bono, qui lui a taclé avec ses gants. Ouais, à noter, tiens, que plusieurs joueurs jouent avec des gants. Il commence à faire frais ici en Auvergne. Le soir, le froid qui tombe. À cet endroit, attention, Carmo qui rentre à la surface, le numéro 10, qui contrôle, qui va frapper avec son pied gauche, mais qui rate après avoir fait un droite-gauche deux fois d'affilée pour éliminer les défenseurs, notamment Yacouba Seydi, et frapper en suivant. Ah, attention les Bergeracois, il faut être prêt au duel, il faut être intense dans les duels, pas les jouer en demi-teinte, sinon effectivement ça peut être dangereux. Bergerac qui relance de sa surface, mais comme il relance mal, le ballon va être récupéré après un pressing pour Chamalières. Bono qui de la tête et du pied maintenant. Allez, voyons. C'est dégagé, Sofiane Valla, on revient dans le camp avec le capitaine Bouvier qui essaie de le garder, de le protéger avec son corps. Mais Cher Touré lui court après, ballon Sam Ducrot, oh là là Sam, cette faute, carton. Il va y avoir un carton jaune pour Sam Ducrot qui a fait un mauvais contrôle. Sam Ducrot qui a fait un mauvais contrôle et qui, en voulant rattraper le ballon, vient de faire une faute un petit peu vulgaire. Oui, il n'a pas maîtrisé son geste, je crois que c'est son dernier avertissement. Allez Sam, il faut se remettre dedans.
coup franc ici au bénéfice des Rouges de Chamalières, le numéro 5, capitaine, qui a obtenu ce coup franc. C'est lui qui va le frapper. Oui, c'est lui qui va le frapper, ou pas. Encore dans le coup, il a un petit peu bousculé l'adversaire, peut-être son adversaire a exagéré. On n'arrive pas à garder ce ballon du côté bergeracois. Dès que le ballon est au sol et qu'on essaie d'enchaîner, on n'y parvient pas, alors que du côté de Chamalières, on met un peu plus d'intensité. On met un peu plus d'intensité. Et après le deuxième ballon, eh bien c'est Colo qui vient passer devant Damien Fachan et Yacouba Sedi. Et dans les 18 mètres, dans un angle peut-être fermé, a décidé de frapper fort, légèrement au-dessus. Chamalières se réveille un petit peu, a décidé un petit peu plus de pression sur la défense bergeracoise. Ça fait déjà deux fois là, dans la minute, que les bergeracois sont un petit peu aux abois. Ils sont pas très inspirés. Et Yacouba encore met le ballon en touche carrément. Et je ne sais pas ce qui se passe du côté bergeracois. Il y a des fautes techniques inhabituelles et il faut vite se reprendre pour éviter, bien sûr, de se retrouver en grande difficulté dans cette fin de première mi-temps. 35e ou quasiment 35e minute. C'est Carmo qui, avec son pied gauche, élimine Mangan là-bas et centre sans grand danger. C'est donc la profondeur recherchée par Abdel Abissa. Il y a vraiment un jeu direct du côté bergeracois. Allez, ici Sam qui va se retrouver au duel, mais le ballon est un peu long. Directement en touche, le coach de Chamalières demande à ses joueurs de venir en bloc côté ballon. Côté ballon. Allez, ça va être une sortie de but. Sortie de but gagnée par les bergeracois. Anthony Loustalot prend ce ballon à la main. 35e minute, 10 minutes avant la fin de ce premier mi-temps. On repart encore de derrière. Et là, comment va faire Calvin ? Quentin Chastan a une touche de mal adressée. Jonathan Agaïen, puis intérieur ici. Oh là là, dommage. La passe était très bien adressée. C'était une bonne intuition avec un appel de Abdel Abissa dans le cœur même, dans la profondeur. Et Clément Badin qui a des uns et des autres et qui ne facilite pas, bien sûr, sa maîtrise. Alors les joueurs ne prennent pas de risques. Voilà. Allez, ballon pour les bergeracois. On n'a pas l'occasion de beaucoup de s'enflammer. C'est vrai que... Récupérer ici. C'est à partir de maintenant que les choses peuvent se faire avec un jeu plus direct. Cher Touré qui met la tête entre deux défenseurs de Chamalières. Le gardien s'en saisit. La tête n'était pas dangereuse. Elle était plutôt très en cloche. Yacouba ici gagne son premier duel. Ça, c'est parfait. Dans les pieds de... Pour s'enflammer ce soir. 38e minute. Touche pour les Rouges. Le souffle est toujours pas accéléré. Je vous rassure. À part le gel qui nous guette. C'est pas évidemment les enchaînements au sol. À 3. Oh là, il y a un duel dangereux entre Sam Ducrot et Bono, je crois, c'est ça le numéro 6. À nouveau, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'il se relève. Il traîne la patte, comme dirait l'autre. Chamalières, remise en jeu. Qui a quand même mis 1 minute 30. Alors, récupéré. Ici, ballon pour Sofiane Valla. Cher Touré qui court. Oh, Sofiane qui élimine son adversaire. Se retrouve dans la situation pour marquer. Eh oui, c'est un but. Sofiane Valla qui se le fait tout seul. Il se fait tout seul. Alors, dans ce moment un peu frais où il ne se passait pas grand-chose. Rigourdin. Très belle initiative, effectivement. Il y a eu une montée d'intensité en quelques secondes. Et cette montée d'intensité a permis à Sofiane de venir marquer. Mais de suite, il faut se mettre en place. De suite, il faut être appliqué du côté bergeracois. Voilà, ballon perdu. L'arbitre siffle une faute du numéro 11, Couder. Dans l'axe, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien nette. Attention quand même. Ah ben écoutez, ça nous a réchauffé un petit peu. Sofiane qui vient de marquer ce but. C'est pour lui également une très bonne chose. Sofiane qui a eu un début de saison un peu difficile
Et avec courage, travail, il a pu petit à petit retrouver sa place. Et depuis maintenant, quelques matchs, rejoue un temps de jeu un petit peu plus long. Et maintenant, écoutez, normalement, quand on fait bien les choses, on est récompensé, dit-on. À nouveau, un espace entre les lignes pour les Bergeracois. Clément Badin qui va chercher sur le côté droit. La passe est trop longue et peut sortir en sortie de but pour le gardien Ciotti. C'est parti pour les rouges de Chamalière. Allez. Ah. Le gardien, j'ai un jeune supporter de Chamalière en face de moi. À la mi-temps, il va parler. Tu vas vouloir parler à la mi-temps ? Eh bien d'accord, tu viens à côté de moi. Viens ici. À la mi-temps, tu vas parler, d'accord ? Je te poserai des questions. Tu veux bien ? Allez, super. Alors, on reprend le match. C'est Sofiane Bala, je crois, là-bas. Et oui, qui fait un petit pont défenseur de Chamalière, qui va adresser un ballon... mais raté, il s'en veut un petit peu Sofiane parce qu'il s'est sorti du marquage, il avait réussi à avoir du temps pour pouvoir adresser un centre et il a raté. Le défenseur de Chamalière a mis ce ballon en corner, c'est les Bergeracois avec Clément Badin qui vont devoir tirer pied droit, à moins qu'il le joue à deux, c'est certainement peut-être ce qui va se faire, oui, pourquoi pas. Un corner à la rémoise, dit-on, on le joue à deux pour revenir... ou pour contourner le bloc défensif de Chamalière. Sam Ducrot qui recherche à l'opposé là-bas, Clément, à une touche qu'il remet. Intéressant, intéressant. Oh là là, sauvé quasiment sur sa ligne par un défenseur rouge de Chamalière. Et c'est le gardien qui est au sol. L'arbitre doit siffler. Oui, il doit siffler immédiatement pour stopper le jeu, pour qu'on puisse aller s'occuper de ce gardien qui a dû sortir d'un duel avec un attaquant bergeracois. Il me semble que c'était Abdel Abissa. 43e minute de jeu ici à Chamalière. Et je rappelle le score, ce sont les Bergeracois qui, par l'intermédiaire de Sofiane Bala, ont marqué le seul but de la rencontre pour l'instant, 1-0 pour Bergerac ici sur les terres auvergnates de Chamalière. On va soigner le gardien, Ciotti. Alors ce jeune homme-là fait partie de l'ensemble de ce groupe, je le disais au début en présentation du match. Il y a 15 joueurs qui appartiennent au groupe et qui sont issus de la région, des jeunes gens qui ont été formés ici ou des clubs alentour et qui maintenant évoluent en National 2. C'est assez rare de pouvoir adresser le ballon à Calvin Mangan. À nouveau, il se repasse le ballon en redoublement de passe ici. Dans les pieds d'Anthony Loustalo, le gardien de but bergeracois, qui vient chercher Damien Fachan. Évidemment, on sent l'ensemble des joueurs très prudents et notamment sur contrôle passe. Ils savent dans le rendement les choix des joueurs de jouer un jeu plus direct et sur une surface qui est très rapide, pas simple du tout. Alors que nous sommes dans le temps additionnel, il y aura 2 minutes puisque ça a été présenté, 2 minutes de temps additionnel ici à Chamalière. 2 minutes, 1-0 pour les Bergeracois. Avant de rentrer au vestiaire, une touche le long là-bas côté gauche. 2 duels aériens, le ballon maintenant est dans la profondeur pour Sofiane Bala qui encore le demande dans la profondeur ce ballon. Et monsieur l'arbitre qui arrête le match pour une faute sur Abdel Abissa. Peut-être un pied haut, me semble-t-il, vu d'ici. Calvin Mangan joue. Damien Fachan avec le ballon dans le rond central, le capitaine qui essaie d'adresser un ballon sur la droite là-bas, mais le ballon va tellement aller vite que Jonathan Agaïen n'a même pas une seule chance de le rattraper. Il est sorti des limites du terrain de suite après le rebond. Allez, c'est les derniers instants de cette première période. Le gardien rouge, bleu, vert pour lui, pour l'occasion, va dégager son camp. Une dernière fois ou une des dernières fois avant la mi-temps. Premier duel à jouer ici, c'est le capitaine Damien Fachan qui au-dessus jette ce ballon de la tête. Et les rouges avec le numéro 2, Troussoupa, qui a dressé le ballon. C'est Sedi Yacouba qui a taclé pour empêcher une attaque rouge de se développer. Et maintenant les Bergeracois obtiennent... une dernière touche peut-être. Je vois l'arbitre qui est en train de montrer le sens de la touche. Il n'a pas l'intention d'arrêter le match tout de suite. Allez, Jonathan Agaïen pour les instants
les derniers instants de cette première période. Et là, ouais, voilà, monsieur l'arbitre siffle la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir partir, se réchauffer un petit peu, nous aussi. Mais avant, j'avais quelques petits mots avec ça. D'accord. Et tu joues quel poste ? Tu es plutôt attaquant ou tu es défenseur ? Il est un peu tout. Alexis, il joue un peu tout. Tu marques des buts ? Ah, il marque beaucoup de buts. C'est un futur attaquant, Alexis. Alors, Alexis, bonne soirée. Très bien, tu as bien parlé. Super. Bravo. Alors, on va vous laisser quelques instants. Mais avant cela, je voudrais rappeler les scores peut-être. Alors, pour le premier, le match de Nantes, peut-être qu'on va avoir le score définitif maintenant. Mais rappeler les scores à la mi-temps pour l'ensemble des autres rencontres. Alors, on vous fait patienter un petit peu. Pour revenir simplement sur la première mi-temps que vous avez observée, bon, vous avez vu que la surface de jeu, le terrain synthétique, demande une adaptation pour les joueurs. Et notamment, je le disais, d'un point de vue technique, avec des ballons qui vont très vite et qui un terrain qui n'autorise pas de faute technique. Voilà. Alors, on a à la mi-temps Angoulême-Montpellier, 2-0 pour Angoulême. Saint-Privé-Saint-Hilaire qui gagne 1-0 contre Romorantin chez lui. Blois qui gagne 1-0 contre Trélissac à la mi-temps. Nous avons également Nantes qui perd face au leader et qui a perdu, parce qu'à mon avis, le match est terminé. Si le résultat se confirme, 7 aurait fait une très belle opération à Nantes en l'emportant 1-0. Bourges et Colomiers se retrouvent à égalité. À très vite.
Sortie des vestiaires en avance. Les Bergeracois font quelques mouvements de remise en forme, en échauffement, pardon. Il fait pas très chaud, pour tout vous dire, mais notre cœur est réchauffé puisque les Bergeracois gagnent 1-0 et s'apprêtent à démarrer une deuxième période. Alors, comme on l'a dit, pour les Bergeracois, il s'agira aujourd'hui de maintenir cet écart le possible. Je crois. Alors, Chamalière, sur vos écrans en rouge, sera à droite. Et là, il y a un changement, et un changement évident, immédiat, puisque le coach de Chamalière passe avec une défense à 4 pour moi. Si je ne me trompe pas, il va falloir que les Bergeracois s'adaptent à cette nouvelle situation, système tactique. Et l'animation des rouges de Chamalière risque d'être offensive, du moins on l'espère peut-être pour le match, mais on l'espère également pour eux. Et on risque d'assister à un match avec beaucoup plus d'intensité offensive. Alors oui, on voit bien 4 défenseurs et notamment le numéro 13, mais qui donne un ballon à Sofiane. Puis le 8 et le 15 vont être dans le milieu pour un milieu à 3. Et on risque d'avoir 3 attaquants pour cette équipe de Chamalières. Le numéro 8 oblige Sam Dux. Barras qui a éliminé un Bergeracois. Oh là, là ça a l'air de s'engager. Il va falloir que les Bergeracois soient vraiment présents. Carmo ici, numéro 10. On risque de s'engager. Match à intensité. Colo, voilà. J'ai le dispositif tactique avec maintenant première ligne à 3 chez les Chamalières. Alors non, même 2. On voit 2 attaquants. Eddy à nouveau. Le capitaine Bouvier qui dégage de qualité pour lui, pardon. Une touche du Croc. Sam Ducrot, mauvaise relance, mais il n'avait pas beaucoup de solutions. Le ballon est dans la profondeur. Oh là là, Kelvin Mangan qui est pris dans son dos par ce ballon dans la profondeur des joueurs de Cham. À Cher Touré qui recherche Abdel Abissa qui n'arrive pas le premier. C'est Lai. Les joueurs de Chamalières essaient de ressortir, bien sûr, sans la grande pression bergeracoise. Allez. Chamalières là-bas qui perd le ballon. Badem récupéré ici par le numéro 15 Fernandez qui l'adresse là-bas au numéro 6 Bono. Les Bergeracois dégagent. Oui, Sam. C'est dégagé. Si c'est pas génial, ce sont les joueurs de Chamalières avec le capitaine. Non, c'était le numéro 11, pardon, Couder. Lai qui avec un contrôle un peu long conserve quand même la touche. Allez Bergerac, il faut que nos joueurs se mettent vraiment de... Ah mais là il s'est fait mal ou quoi? Non. Il était sorti de mon champ de vision et Damien Fachan qui vient tacler le ballon, mais là il s'est fait mal. Là il s'est... Ne sois pas celui qui a chargé un petit peu. Gaillard, le mec de Tarbes. Ça va être une faute pour le Bergeracois. Le BPFC va pouvoir se décacher par Kelvin Mangan qui écoute les quelques consignes du coach pour faire en sorte que le système fonctionne un petit peu mieux encore. Les rouges de Chamalières sont entrés dans ce match un petit peu mieux que les Bergeracois. Les Bergeracois étaient encore sur le rythme de la première période. Oh ! Oh là là ! Le numéro 15, Fernandez, après une spéciale de notre capitaine de la part de Chamalières qui a 5-6 mètres du but. Le joueur Fernandez a raté le cadre. Il y avait malgré tout Kelvin Mangan, Damien Fachan, le capitaine, qui peut mettre un ballon dans la profondeur. Je crois que là, ce sont vraiment les consignes du soir de ne pas perdre de temps pour jouer dans la profondeur. Numéro 9, Lai, Sam Ducrot va pouvoir garder ce ballon. Interception, il y a un 3 contre 4. Au numéro 6, Bono. Bono trouve le long de la ligne. Rance, qui ne semble pas le Rance. Puis, Yacouba, Sedi.
C'est Eddy qui a récupéré pour les Bergerakois. Abdel Abissa, une touche. On trouve Sofiane Vala à gauche. Là, il y a quelque chose à faire. Ouah, dommage. Il y avait quelque chose à faire pour les Bergerakois. Le centre était extérieur du droit de Sofiane Vala et n'a pas pu trouver les pieds de Chertoué qui attendait le prendre à 5 mètres du but de Chamalières. Bonne intervention du gardien. Les Rouges repartent avec un ballon long ici pour Yacouba Seydi et sa tête. C'est en direction du numéro 7, Colo, qui va être tiré par Anthony Loustalo. Anthony Loustalo qui va mettre un ballon certainement direct. Et direct sur qui ? Un joueur de tête chez nous. Ça va être Chertoué qui peut un jump. Oui, il a du jump, bien sûr. Oui, ça c'est pas mal. Deuxième ballon. Et Quentin Chastan qui gagne son duel aérien. Le ballon est remis d'une aile pigeon. Pourquoi pas ? Chertoué est hors jeu. Dommage pour les Bergerac. Chertoué s'est retrouvé dans une position après un très bon contrôle vers le but adverse. Chertoué. Et effectivement, on peut saisir des opportunités. Kelvin Mangan ne peut pas se sauter. C'est le numéro 10, Carmo. Dommage. C'était tenté pour les joueurs rouges de Chamalières. Et Couder, qui lui, avec son pied gauche, a voulu jouer le troisième joueur. Pas d'autre que Barras qui avait demandé le ballon. Mais trop long, mal ajusté. C'est un 6 mètres, un dégagement de but pour Salo qui va. Barras qui fait sa remise en jeu. On lui remet. Là, par contre, attention. Ouais. Bon, la trajectoire est un peu longue. Et Sam Ducroux apprécie la trajectoire du ballon. C'est une sortie de but à nouveau. Anthony qui va le chercher, qui se retrouve sur la piste là-bas. Et oh, Cher peut faire quelque chose. Et il fait pas. Sofiane Vala qui tacle ce ballon, mais n'a pas pu le récupérer. Je pense que Cher aurait eu la bonne idée de la jouer à une touche. S'il la joue à une touche, Cher, je pense qu'elle est bien plus dangereuse que après son pour David Devigne de faire des remplacements. Yacouba Seydi dégage, prend pas de risque, bien sûr. Il aurait pu le jouer avec son gardien, mais non. 3-4 ballons aériens. Regardez un peu comment c'est difficile de gagner un ballon. Récupéré par Bergerac qui peut apporter ce projet. Abdel Abissa, raté. Mais c'est récupéré Sam Ducrot. Sam Ducrot revient sur lui-même. Pour Yacouba G, Abdel Abissa, qui lui, avec sa technique, contrôle poitrine, Quentin. Quentin Chastan qui, malheureusement, adresse un copain. Et de suite, Chertoura a voulu trouver la profondeur. Mal ajusté. Ce ballon revienne correctement sur lui, vers lui. Parce qu'il y avait deux Bergeracois en embuscade. Non ! Mais Quentin va au duel. Il arrive avec un peu de vitesse. C'est pour ça. Il n'y avait rien de dangereux. Bouvier prend le ballon. Chamalières se retrouve en possession dans le camp. Allez. Ça se calme un petit peu. C'est la 65e quasiment minute de jeu. Ici, 0 pour Chamalières, 1 pour le BPFC. Anthony Loustalo en possession du ballon qui fait tourner ici. Kelvin Mangan, il faut voir avant. Une surface synthétique. Au moment où on reçoit la passe, si on n'a pas la solution derrière, eh bien c'est difficile, on est en danger. Et ça, c'est évident sur des terrains synthétiques. Là, il y a deux joueurs qui se sont fait un peu mal. L'arbitre, ah ouais, on a entendu un petit bruit, à mon avis. Il y a eu un duel entre Quentin Chastan et un joueur de Chamalières, si le numéro 8, Rance, c'est ça. Bon, il se relève. Chertoué, on avait Abdel Abissa et Sofiane Vala qui se retrouvent en égalité numérique avec les défenseurs. Attention, centre pour le numéro 10, Carmo, qui lui va pouvoir frapper. Anthony Loustalo, c'était bien joué. Oh là 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 là. Les Bergerois qui viennent de prendre un but par le numéro 7. Colo qui lui est venu après une première tentative ratée de Chamalières. Le jeune Colo est venu frapper d'une. Évidemment, l'intervention de nos joueurs, on est un peu passif. Kelvin Mangan qui revient de jouer ce ballon vers son capitaine. On ressort pour les Bergerakois qui ont dû être piqués certainement. Et il va falloir bien sûr que les Bergerakois se remettent. Oh, bien joué. On adresse ce ballon à Sofiane Vala. Chertoué sur le défenseur.
avec un crochet extérieur gauche, a adressé une frappe tendue. Et donc Clément Badin, dans un deuxième temps, qui lui aussi n'a pas pu cadrer sa frappe. C'était une opportunité pour les Bergerois, quoi. Touche. Ah, ça s'excite un peu. On va avoir affaire à des changements. Il reste 20 minutes. Je pense que David Vigne, lui, a dans sa tête l'idée de faire des changements. On revient à Anthony Loustalo pour Sam Ducrot. Pression de Bono là-bas. Mais le Sam Ducrot, lui, ah ouais, il s'était bien sorti de la pression, mais alors avec son pied droit, il a voulu chercher long et c'était trop approximatif. Attention, Damien Fachan dégage de la tête pour Clément Badin qui dégage aussi. Et c'est Quentin Chastan qui vient jouer le ballon. On met là-bas deux, quatrième ballon de la tête. Ah oui, ben là c'est un jeu très direct. Il faut être concentré si on ne veut pas être pris par les trajectoires. Bouvier qui, heureusement, a pu donner le ballon de la tête à son gardien de but. Mais c'était une belle occasion pour les Bergerois aquois. Ballon toujours pour les Blancs. Pression. Allez, Yacouba, il faut gagner ce ballon. Oui, il a gagné, mais c'est une touche qui sera pour les Rouges de Chamalières. Un ballon qui est derrière les grilles. Donc le délégué doit donner. On se prépare du côté Bergerois aquois. On voit qu'il lui va pouvoir, avec son numéro 6, jouer ce ballon. Attention devant le but, Anthony, il faut être prêt. Les défenseurs au marquage. Quentin, attention au 15, Fernandez qui est à la sortie là. Et qui voilà, premier, deuxième ballon, attention à ça. Il faut être très vigilant pour les Bergerois aquois. Oh, il remet le ballon de manière un petit peu artistique. Ça vaut 10 sur là ici, à Abissa qui transmet, à Sofiane Valla qui a pris un contrôle un peu sur le côté droit. Il se désaxe. Et il est seul face à 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il garde le ballon. Il garde toujours le ballon. Il faut qu'il obtienne quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a obtenu. Je crois que c'est un corner vu le geste de l'arbitre. Corner pour les Bergerois aquois. Allez, les grands là. Les grands, faites-nous plaisir. Mettez-nous un ballon de catapulté dans le but. Ça va être frappé pour les Bergerois aquois. Attention, c'est qui? C'est le gardien, mais il y a faute. Oui, il y a une faute. Faute involontaire, il y a un duel aérien, mais évidemment, il y a faute. Et je crois que c'est Damien Fachan qui a été au duel aérien avec le gardien. Percussion entre les deux. Il va y avoir, eh bien, comment le pressentait? Il va y avoir du côté Bergerois aquois l'entrée d'au moins un joueur offensif qui s'appelle Léo Fichten. Léo Fichten qui a marqué la semaine dernière contre Clermont-Ferrand, qui a marqué le but de la victoire après un superbe petit extérieur du droit placé dans le petit filet dans la niche. C'était magnifique. Léo qui va revenir sur le terrain pour la fin du match. Toujours un partout ici, 73e. Les Blancs de Bergerois qui ont le ballon. Qu'est-ce que fait Sofiane? Il a essayé de chercher directement Cher Touré. Mais il se bat, Sofiane. C'est bien. Aïe. Il croyait qu'elle était pour lui. Il a peut-être bluffé, hein, Sofiane. Il a bluffé. Alors, ah bien, c'était pas un, mais c'était deux remplacements qui se préparaient. Le numéro 10, Sofiane Valla, qui laisse sa place à Samir. Pour les Bergerois aquois, ça serait la bienvenue. Mais attention, il faut compter sur le courage et la volonté des Auvergnats de chez eux à domicile faire quelque chose. Ici, Colo adresse un mauvais ballon dans la profondeur. L'idée n'était pas bête, mais l'exécution plutôt mal réussie. Allez, Bergerois, capitaine Fachan, du côté là-bas de Sam Ducrot. Sam Ducrot, temporisons, on revient chercher. Yacouba Sedi qui lui essaie de casser une ligne, mais elle est perdue. Attention Yacouba, parce qu'ensuite vers son but, et oui là il faut intervenir. Excellent Yacouba, très bien, bien repris. C'est dangereux de perdre un ballon comme ça dans le rond central, parce qu'on est pris à reculons, et c'est vrai qu'avec de la vitesse on peut rapidement être en difficulté. Bono pour le numéro 7 Colo, mais c'est Sedi Yacouba, le grand Yacouba, qui dégage son camp. 76e minute passée. Un partout.
un partout bien loin. Il faut essayer de trouver les zones dans lesquelles les rouges ne sont pas. Léo Fichten perd le ballon. Et oui, un vrai duel, mais le ballon est gagné par les rouges. Et ils peuvent jouer Bono. Bono qui joue vers l'avant, vers Colo, mais c'est Sam Ducrot qui la garde. Samir Bakir garde le ballon avec son pied gauche. Il revient chercher intérieur. Clément Badin, ici peut-être. Non, passement de jambe. Il revient vers Sam Ducrot sur son côté gauche. Peut mettre un ballon entre Chamalières. Les joueurs de Chamalières repartent. On va chercher Carmo. Carmo qui garde le ballon et vient jouer avec son gardien. Chiotti qui vient chercher ici le numéro 13. Et le jeune Barras. Barras, après un contrôle un peu compliqué, adresse un mauvais ballon à Lai. Là, il a excusez-moi. Fâchant. Touche le ballon, tranquille, plusieurs fois, regarde, devant lui. C'est Mangan maintenant, qui lui, pareil, va chercher entre les lignes. Clément Badin, qui essaie de trouver dans le dos de la défense Samir Bakir. C'était mal exécuté, dommage. Ce sont les rouges qui ont le ballon. Hein. Bien contrôlé en tête de Fernandez, qui au milieu de trois blancs ne le perd pas. Ballon en soutien pour Bouvier, Chiotti, que va-t-il faire? Sinon, on est obligé de jouer dans les pieds, mais pourvu que ce soit bien. Ah, dommage. Oh, carton jaune. Oui. Bon, monsieur l'arbitre a estimé que Léo Fichten avait fait un jeu dangereux sur le numéro 13, Barras. C'est Léo Fichten qui vient prendre un carton jaune. Sans gravité, bien sûr, mais attention, il y a une passe de Clément Badin pour Samir Bakir. Intérieur, à nouveau Léo Fichten, bon ballon pour Damien Fachant qui va chercher ici à droite John Régaillen. John Régaillen a deux rouges contre John. John essaie de grand pont qui ne réalise pas. Le jeune défenseur rouge réussit à dégager son camp sans que le ballon soit sorti. Ah si, touche. Signalé par l'arbitre. John Régaillen. Allez, on est dans le camp, je dirais même dans la zone de finition, dans le camp des rouges de Chamalières. C'est un bon ballon, ça. Oui, oh, Cher. Pff, oh là là, Cher, il avait un super ballon, une reprise qu'il a complètement ratée. Oh là là, cette opportunité. Cher Touré au 5m50 qui sort du marquage avec le défenseur de Chamalières reçoit un magnifique centre de la part de John Régaillen et rate complètement cette reprise alors qu'il nous semblait évident qu'on puisse au moins la cadrer, comme quoi c'est pas simple de jouer au foot. Hein. Allez, ce sont maintenant les Bergeois quoi qui doivent défendre. Quentin Chastan, Carmo. Ouais, à nouveau, Léo Fichten, oh là là, ça devient trop technique. Ah ah, Samir qui s'est fait surprendre par ce rebond accéléré lié au terrain synthétique et qui maintenant là le ballon, mais fait une mauvaise. Et ils ont les boules, les Bergeracois, parce que honnêtement, il était juste un mètre ou deux dans le dos de l'arbitre, mais ça n'a pas suffi. Les joueurs Bergeracois vont devoir recommencer. Ah oui, d'accord. La faute, elle est carrément sur la ligne médiane. On n'avait pas vu ça tout à fait, nous. Ballon ici à droite. John Régaillen, qui lui va pouvoir jouer un contre un. Perdu. Pas tout à fait, puisque les Bergeracois obtiendront une touche. John Régaillen va pouvoir la jouer dans le camp des Rouges de Chamalières. Les Chamaliérois, qui eux, doivent défendre maintenant. Allez, on s'applique parce que c'est jamais facile de jouer. Un ballon toujours dans le dos de la défense. On essaie de surprendre la défense par un petit ballon piqué. Et c'était Clément Badin. C'est récupéré par Quentin Chastan et son numéro 6. On prit sur quasiment la seule occasion de l'équipe de Chamalières. On prit un premier but par manque de disponibilité, d'engagement. Et il n'est pas bête, il a voulu lober Anthony Loustalot qui dégage maintenant le ballon vers Samir Bakir, le plus grand joueur de l'équipe bergeracoise, qui est en pivot, remet le ballon en soutien. Le petit Léo Fichten qui vient supporter un duel. Ah, ça va être perdu. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est frustrant. Honnêtement, c'est frustrant. C'est frustrant d'avoir une occasion qui se développe et qui, parce que le terrain est un petit peu fuyant, eh bien, on perd le contrôle du ballon et on doit tout remettre à zéro.
Alors, voyons de ce côté droit ici ce que Calvin Mangan va faire. Il est en attente de proposition. Petit ballon pour Quentin Chastan qui remet derrière à notre capitaine. Un deuxième ballon dans le dos de la défense. Unité durant cette deuxième période, mal réalisée, qui n'avait pas vu de ballon finir devant le but ou de tir cadré. Eh bien là, écoutez, alors que... Ah, il va y avoir un corner contré. Alors j'étais en train d'expliquer que effectivement, les Bergeracois ont saisi la bonne opportunité alors que ce n'était pas fait d'avance. Et c'est Cher Touré qui a été s'arraché. Attention, corner frappé par le numéro 15, Fernandez. Fernandez pour les Chamalierois qui va essayer de trouver un de ses 6 partenaires ou 7 même dans la surface. Il faut se battre là. Attention, attention, faut dégager ce ballon. Oh là là, oh là, les Bergeracois ont eu chaud. Il y a eu un coup de flipper sur le but. À nouveau encore, ça va venir, ça va revenir. Comment ça se passe là? Comment ça se passe? 6 mètres? Non, pas 6 mètres. Corner, à nouveau un corner. Ah, ça va pousser, hein. Ah, ça va pousser. Messieurs, dames, 87e minute et quelques brouettes. Il y a quelques brouettes de seconde. À nouveau, coup de... Ah, il y a une altercation. Calvin Mangan aussi. Bon, écoutez, je crois qu'il y a dû avoir quelques mots. Les uns reprochent aux autres de perdre du temps. Les autres essaient d'en gagner un peu. C'est pas très grave. Pourvu qu'on gagne. C'est pas bon, ça? Eh oui. Allez, les gens. À quoi sont encore à quelques minutes, puisque nous sommes à 88e et 30 secondes de jeu. 88e et 30 secondes de jeu. Une belle tête de Mangan. Attention à nouveau le capitaine. C'est Sam Ducrot qui récupère à gauche. Le ballon remonte pour 3 minutes, puisqu'il y a 3 minutes de temps additionnel prévu pour ce match. Alors là-bas, dans l'angle, au poteau de corner, c'est Samir Bakir, me semble-t-il, qui se bat comme un lion. Les rouges s'en sortent, dégagent le ballon dans le dos de Yacouba Sidi. Et c'est une touche pour les Bergeracois à 30 mètres de but. De leur but, de nos buts. Oui, puisque nous sommes tous Bergeracois là. Allez. Ah là, quand même, c'est plutôt sympa. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, moi. À quelques minutes de la fin, je préfère être dans cette situation. Allez, on se bat là-bas. Alors, un ballon long pour gagner encore des mètres. Léo, Léo, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non. C'est une faute de Samir Bakir. Fernandez qui trouve coup d'air dans la profondeur. Un très bon ballon. Colo qui remet ce ballon de la tête pour le numéro 8. Rance qui dévisse cette reprise de volée qui était loin d'être facile. Pas du tout évidente pour Rance de faire une reprise de volée cadrée. D'ailleurs, il a des vis de l'intérieur un peu de son pied. Et c'est ballon pour les Bergeracois qui est passé très largement à la droite, des buts d'Anthony Lustalo qui maintenant, lui, va essayer de mettre le ballon dans la forêt. Mais non, il reste sur le terrain. Il faut pour les Bergeracois percer le ballon maintenant. Il n'y a plus que ça. Allez, quelques instants encore. Jonathan Gaillen recherche sur le côté Samir Bakir qui s'en sort dans son duel. Ah oui, là, bien, bien, le capitaine Bouvier qui, pour une ultime, peut-être chevauchée vers l'avant. Quentin, bien sûr, fallait faire faute. Eh oui, ben, il fallait faire faute. Maintenant, il faut défendre. Allez. Il faut défendre pour les Bergeracois là-bas. À l'entrée de leur surface de réparation, Anthony Lousfort, supporter auvergnat, mais et qui est en état d'esprit remarquable, me font signaler qu'effectivement, il n'y avait pas corner. C'est fermé. C'est fini là? C'est fini. Eh bien voilà, les Bergeracois viennent de gagner 2-1 ici à Chamalières. C'est un formidable résultat dans un match évidemment qui n'était pas simple à jouer. On va souhaiter bon vent aux joueurs de Chamalières pour la fin du championnat. Pour nous, les Bergeracois, eh bien, c'est encore une victoire. C'est très intéressant en termes de résultats. Et écoutez,
même s'il y a quelques chamailleries au milieu du terrain, on sépare un peu tous les protagonistes pour faire en sorte que les joueurs rentrent au vestiaire et que malgré la frustration, tout se passe tranquillement. Allez, on raccompagne les joueurs au vestiaire. Chacun doit aller pour se calmer un peu dans les vestiaires. Et nous, avant de vous rendre l'antenne, on va d'abord se satisfaire de ce résultat ici à l'extérieur qui permet encore à quoi de rester au moins à la deuxième place du classement de cette 12e journée. Donc maintenant, on peut vous affirmer les résultats du soir avec Saint-Privé-Saint-Hilaire qui gagne 1-0. Saint-Privé-Saint-Hilaire 1-0. Chamalières et Bergerac. Pardon, j'ai plus de lumière sur mon portable. C'est fait. Chamalières donc qui perd contre Bergerac 2-1. Saint-Étienne qui l'emporte face, je crois, gagne 3-0 ce soir face à Montpellier. Bon, on fera certainement le classement dans la soirée. On vous donnera des informations. Il suffit bien sûr de prendre bien